Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je vais ouvrir ce vlog aujourd'hui. On est le 24 janvier 2021. On est samedi. Et ne regardez pas ma tête. Faut que je lave mes cheveux. Je pense que je vais peut-être les faire ce soir ou demain matin. Je vais voir. Comme demain, je vais changer. Je vais faire mon lit. Je ferai peut-être ça demain matin. Je ferai mon lit et mes cheveux en même temps. Voilà, je voulais vous faire un coucou. J'espère que vous allez bien en ce samedi. Nous, moi, oui. Au programme, il n'y a rien de prévu. Là, je suis occupée à jouer derrière vous au Sim 4. Et en même temps, je regardais des vidéos. J'ai mis la semaine de mes vidéos en ligne. Vous aurez la semaine de Pokémon, ce sera la semaine complète de Pokémon parce que j'ai pas grand chose pour le moment. Vous aurez certainement ce vlog que je terminerai, je ne sais pas quand. Il faudra que je le monte et voir combien de minutes je suis dedans. En même temps, j'ai commencé une nouvelle lecture ouais, vendredi. Ouais, je crois vendredi. Et du coup, je voulais vous en parler dans ce vlog quand même. Et j'ai commencé un jour en décembre de chez Solis Silver chez Pocket. La couverture est trop belle. Bon, oui, c'est un truc de Noël. Je suis à 56 pages sur je ne sais plus combien, 500. Ouais, 500. Moi, la dernière page, 538, 39, 39, 39, 300, 400, c'est ça que j'ai dit, 539, 539 pages, voilà, et j'ai lu 56 pages, voilà, ici, je pense encore jouer une petite demi-heure, une heure, enfin, peut-être même plus, et puis continuer ce bébé. J'en ai tellement parlé, entendu parler que il me tentait bien. Voilà. Et une de mon groupe le lit aussi. Enfin, je ne sais pas si elle a commencé. Il faudrait que je lui demande. Au moment où elle devait le commencer en même temps que moi. Mais elle l'a pas. Elle travaille du coup. Voilà. Mais ici, je voudrais bien lui demander. Je lui demanderai après peut-être. Et voilà. Et ici, l'histoire. En fait, c'est une jeune fille. Je ne sais plus son nom. Parce qu'il y a plusieurs noms. Plus. En fait, elle est dans un bus. Enfin, elle est dans un bus un jour de Noël et par la fenêtre du bus, elle va regarder un homme. Ils vont se regarder tous les deux. Elle a un coup de foudre, on va dire ça comme ça. Et elle n'a pas eu avec la timidité n'est pas descendue du bus pour aller le voir. Voilà. Et on va la suivre dans cette histoire. Et là, moi, je la suis. Ça. Je sais pas combien. Je sais pas. Je suis au 19. 19. Ouais, 19 décembre. Voilà. Et. Elle va parler avec sa meilleure amie de ce garçon-là et tout ça. Qu'elle fait pour. Moi, dans les 50 pages que j'ai lues, déjà, elle va essayer de le rechercher, en fait. Et sa meilleure amie lui dit, mais tu vas arrêter de chercher. Ça fait un an que tu le recherches, tu ne l'as pas retrouvé. Passe à autre chose. Tu te fais du mal pour rien. Et sa meilleure amie va la citer à rencontrer d'autres personnes. Et sa meilleure amie fait des petites rencontres. Et. Voilà. Et si j'ai bien compris, c'est peut-être la petite amie, enfin sa petite copine, enfin son amie qui va peut-être le trouver, son copain. Enfin, je ne sais pas. Faut que je continue pour savoir. Mais pour le moment, c'est agréable. J'ai eu un peu mal à me rentrer dedans dans les 10 premières pages, mais après, va pas tout seul. Mais il faut que je continue ça. Voilà. Et en même temps, j'avais continué à lire celui-ci de. Virginie Grimaldi chez Chère Mamie. Là, je suis à 97 pages. J'essaye de lire ça quand j'ai
une minute où je suis en voiture avec monsieur et qui doit je dois attendre dans l'auto. Du coup, je lis une page. Comme c'est des petites trucs d'une page, que c'est mamie qui écrit une lettre. Enfin, c'est une. Je sais plus son nom. Elle... Ginny. Qui parle à sa mamie. Du coup, vous voyez, c'est une page avec une photo. Elle fait une petite lettre. Et après une autre page avec une lettre. À chaque fois, il y a une image et un petit texte qu'elle a écrit à sa mamie. Du coup, je lis ces deux-là pour le moment. Dans ma belle pochette à boules de Noël. Comme c'est un livre de Noël, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, on va rien faire de spécial. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui, sauf si j'avance très bien dans ma lecture et que j'ai un truc à vous dire là, oui. Voilà. Et ouais. Faut que je fasse. J'ai fait 2-3 montages ce matin. Parce que je vous ai pas dit, mais il est déjà 1h30. J'ai déjà fait 2 montages vidéo ce matin. J'arrête là parce que j'en peux plus. J'ai joué. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je joue au Sim. Et que je regardais. J'ai gardé le point lecture de Kimi Collection. Et là maintenant je vais regarder Poudlard de Aminia que je vais regarder son beau call de Noël. Voilà. Moi je vous laisse parce que là je sais pas quoi vous raconter d'autre. Hier on a hier une longue journée. J'ai presque pas été chez moi. Je peux vous le raconter si vous voulez. En fait, j'étais chez la mère de mon copain, on a mangé avec elle. Voilà, puis ben. Ah oui, j'ai peut-être 3 trucs à vous montrer. Je pourrais vous montrer ça. Je reviendrai après. Il faut que j'aille les chercher, ils sont dans mon fauteuil par là. On était mangé, et puis mon copain devait récupérer des cartes Pokémon. Et comme c'était près de Cora, de la Louvière, ben moi j'ai profité d'aller voir au magasin de livres d'occasion, mais il n'y avait rien qui m'intéressait pour le moment. Enfin, voilà. Et du coup, il y a un club juste en face et je me suis repris 3 livres. 2 BD et un roman. Le roman, il est là. Je peux vous peut-être le montrer déjà. Hop, en dessous de ma boîte de chocolat. Oui, ma boîte de chocolat de Noël que j'ai eu par ma famille. Et du coup, je vous ai pris celui-ci. Zen, le tome 1 de chez Laetitia Dana, chez les éditions Le Poche, j'ai lu plutôt, voilà, je l'ai eu pour 8,99 €. J'en ai entendu beaucoup parler et je ne sais pas le quoi le résumé, mais j'ai envie de me plonger dedans sans lire le résumé. J'en ai tellement entendu parler que je pense que ça va être ma prochaine lecture. Voilà, mais là j'ai pas encore écrit dans mon carnet et sur mon PC. Du coup, je vais faire ça après aussi. Et je me suis pris 2 BD. Je vous les montre. Je peux faire pause. Je vous fais pause et je reviens. Je vais les chercher. Me revoilà, j'ai été les chercher. Du coup, je me suis pris Lou, le journal infime, le tome 1 de chez Glénat. J'ai le dernier de chez qu'elle a fait. Et ça me tentait bien de lire les premiers avant de. Enfin, lire la série avant de lire le dernier. Voilà. Et je me dis pourquoi pas. C'est un truc de 10 € ceci. Voilà. On testera ça. Et le dernier. Enfin, mon dernier livre, c'était La boîte à musique. C'est le tome 3. À la recherche des joyaux des origines. Il est trop beau. Et j'ai le tome 4 déjà dans ma pile, comme ça. Celui-ci je vais le faire de la semaine, je pense bien. Et l'autre la semaine prochaine. J'aime bien lire ça au matin. Et les dessins sont magnifiques. Voilà. Vous êtes peut-être entendu, monsieur. Il est là en train de jouer avec ses collègues. Enfin, ses copains. Collègues, copains, voilà. Du coup, je voulais être à jour dans cette série de BD, et du coup, je me suis pris. Voilà, du coup,
Voilà les deux petites BD que je me suis pris. Celui-là, je ne sais pas quand je vais me le faire, mais il va pas traîner non plus. J'ai envie de me le faire au plus vite. Voilà. Ben voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai montré les deux livres que j'ai achetés hier. Enfin, trois. Et qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Oh, faut que je lave mes cheveux, ils se mettent plus bien. Et puis j'ai été faire une petite partie d'Uno avec ma mamie pour lui changer les idées hier parce que, comme vous le savez, c'était le jour où mon papy a eu son attaque cardiaque et s'est retrouvé à l'hôpital pendant un mois et que, voilà, dans un mois il sera plus là. Enfin, il est plus là, ça fait un an, ça va faire un an. Mais si dans un mois, et tout pile, à partir d'hier, il décédait, quoi. Voilà, ça fera un an exactement. Voilà, c'est tout ce que je vous avais à dire. Du coup, j'ai pas voulu qu'elle soit toute seule. Et du coup, on a été jouer à Uno avec elle. J'ai perdu, je pense. Ouais, la dernière, je sais que j'ai perdu, mais la deuxième, je sais plus. On a joué jusque 500. On a fait deux parts. Une que j'ai perdue, ça je sais, mais l'autre, je sais plus. Je suis pas dans les premiers, en tout cas. Dans la première plutôt, mais voilà quoi, ça a changé les idées. Du coup, ben, sur ce, moi je vais vous laisser. Il y a trop de blabla déjà, il y a 11 minutes de blabla. Je reprendrai peut-être tantôt ou demain, je sais pas. Je prendrai peut-être plus demain que tantôt. Bon, je vous tiendrai au courant. Allez, je vous laisse, peut-être à tantôt ou à demain. Pour vous, ce sera bien. À tout de suite. Recoucou mes petites sucettes, j'espère que vous allez toujours bien. On est toujours samedi. Il est assez tard, enfin assez tard pour tout le monde. Il est plus tard, il est 9h30 presque. Et vous allez entendre monsieur qui parle, mais c'est pas grave. Mais je voulais vous revenir. Oh, il a eu quoi? Voilà, je suis. J'ai avancé ma lecture aujourd'hui. Et franchement, j'aime bien. Alors, il y avait une trace de collant, j'ai retiré. Ah oui, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être ce que j'ai mangé tantôt midi. J'ai mangé au PC. Ça m'arrive pas souvent, mais voilà. Et j'ai bien avancé. Je suis à la page 139. Je perds mes mots. Il est tard pour ça. Je vais bien avancer aujourd'hui. Tantôt, je vous ai pas. J'étais à 58. 58, 56, un truc comme ça. Là, je suis à 100. Je suis passé les 100. Je suis à 139. Je sais pas si je vais continuer encore parce qu'il est 9h30. Je sais pas. J'hésite entre regarder une vidéo ou relire un peu. Du coup, je vous ai dit que l'histoire, c'est en fait une jeune fille un jour de décembre à travers une vitre embuée de londonien Laura. Laurie. Va apercevoir un homme croisant son regard et fut le grand âme, enfin le grand coup de foudre. Et pendant un an, elle va essayer de le rechercher. Et sa meilleure amie Sarah lui dit d'arrêter de chercher après cet homme, de passer à autre chose, comme je vous ai dit tantôt. Et Sarah lui dit d'aller voir ailleurs, retrouver un autre homme. Elle lui avait essayé de trouver un autre homme. Et elle va comment lui présenter son copain. Et son copain, c'est le mec qu'elle a vu dans le bus, londonien. Voilà. Et du coup, ça va être un catastrophe, enfin pas catastrophe parce que elle va tenir tous ses sentiments pour elle. Elle a envie de lui déclarer sa flamme. En fait, il va avoir plein de petits trucs qui va se passer où ils vont se retrouver tous les deux. Et en fait, elle a envie de parler de lui demander s'il se rappelle de l'avoir vu dans le bus. Et
Et lui aussi, il a envie de lui parler de ça, mais aucun des deux vont en parler. Mais tous les deux sont attirés vers l'autre. Et la meilleure amie, moment où je suis, là, sa meilleure amie est partie fêter l'anniversaire de sa grande sœur, 18 ans. Ouais, je crois que c'est 18 ans. Enfin, je sais que c'est sa grande sœur, mais je crois que c'est 18 ans. C'est l'âge que je suis pas sûre. Et Laurie a eu un petit souci avec son papa. Il a fait une crise enfin, il a fait une crise cardiaque. Et du coup, elle est pas trop bien, tout ça. Et du coup, elle est toute seule. Et elle va croiser. C'est comment lui encore? Oh, je viens d'arrêter. Hein. J'ai juste été aller aux toilettes. Lui, c'est Jack. Jack, je ne savais plus son nom. Et elle va le croiser. Et du coup, ils vont aller boire un verre. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va tourner au bisou bisou. Voilà. Voilà, là je suis arrêtée parce que je voulais vous en parler avant qu'il soit trop tard. Et puis j'étais dans mon fauteuil là. Et je me dis avant de mettre mon pyjama, je vais vous en parler. Comme ça, maintenant, comme je vous en ai parlé, je vais mettre mon pyjama. Et me mettre sur mon lit. Voilà. 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 Mais franchement, j'aime bien. Bon, j'espère avancer et pas le qui dure trop longtemps. C'est ça mon problème, c'est que chaque fois moi ma lecture elle dure 15 jours. Je lis jamais en une semaine, j'arrive pas en fait. J'ai des choses à faire, du coup voilà quoi. Et j'aimerais bien qu'il avance, mais je crois qu'il va avancer aujourd'hui, cette semaine. Enfin, parce que demain on est lundi, monsieur travaille, je vais mettre mon réveil pour pas me lever trop tard. J'ai mon lit à changer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai encore d'autres choses à faire. J'aimerais bien faire plein de choses, mais voilà. J'aimerais bien ranger mon armoire qui déborde là. Il y a tout qui tombe. Un fouillis à la longue dedans. Ça fait le bordel. Je prends toujours le dernier, et du coup, il y a tout qui. Et voilà. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire, mais que j'ai pas le crédit. Il faut que je remonte des vidéos. Parce que j'en ai deux, trois en préparation. Enfin, j'en ai tourné. C'est deux, trois avec monsieur des cartes Pokémon. Samedi. Ouais, samedi, pendant 1 heure. Quand je suis rentrée, j'avais 1 heure de battant. On va me passer chez ma mamie. Et du coup, on a fait deux tournages de vidéos de cartes Pokémon. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a les belles cartes. Je les ai déjà mises sur Insta. J'aurais pas dû, mais voilà, sont déjà mises. C'est pas grave. Je dois faire mon résumé sur Instagram de mon autre livre des anges. Le 3. Non, le 4. Je suis fatiguée. Ben ça, je crois que je vais faire maintenant. Je vais écrire mes livres que j'ai pris dans mon bouquin. Essayer de l'avoir sans tout faire tomber. Oui, c'est bien. Enfin, mon beau bullet journal. Enfin, bullet, non. Oui, je marque tous mes livres dedans. Il y en a pas mal, là, déjà. Oui, et alors, je souligne en fluo les livres que j'ai déjà lus. Voilà. Il y a donc des livres que j'ai pas lu, hein. Pas mal. Hein. Ouais. Il faudrait qu'une fois que j'arrange ça. Ouais. Voilà. Et puis soudain, ça je les ai lus. La boîte à musique, tome 1. J'ai plein de. Tous mes Disney. Les clochettes. Enfin, ça j'ai envie de le lire, je l'ai pas encore lu. Il est dans ma palle cette année. Il est à lire. La fausse chose des rêves. J'avais écrit deux fois. Il y a le tome 2 que j'ai pas encore lu. Là aussi, je l'ai écrit deux fois. La fausse chose des rêves, il écrit deux fois. Non, c'est la petite fausseuse de livres. Fausseuse de rêves. Tout ce que je raconte. Ouais. Il faut que j'écrive. Oui, il y a quand même pas mal.
Bon, il y a des livres que j'ai lus, hein, mais il y a. On va retirer la première page quand même. Parce que la première page, j'ai rien marqué. Vous l'avez marqué. Il y a. Je sais pas si vous allez voir, j'ai autant de livres. De pages. Ah oui, c'est pour ça aussi que j'avais pris, parce que j'aimais bien les tranches sur mon bullet journal. Mais c'est juste des lignes, comme ça je peux écrire correctement. Ouais, c'est que des lignes. Il y avait plusieurs couleurs que j'ai pris même. Voilà, ils sont juste là. Si vous voulez les voir, c'est chez Action. Bien sûr, je fais tout tomber. J'en ai un. J'en ai deux. J'en ai trois. Je crois que je les avais tous pris. Ouais. Oh, il y a celui-là. Il y avait celui-là aussi que j'ai pas encore utilisé. Hello Kitty. C'est aussi avec des lignes. Ouais, c'est des lignes avec un petit nœud pour chaque petite page. Ben, je l'ai écrit, je le remets. Il y a. Bon, je vous montre, mais en papier, il y a. Celui-ci, c'est bleu. Bleu foncé avec les pages argentées. Ils sont magnifiques. Et en plus, à chaque fois, il y a un bic avec. Et ça, c'est bien parce que le bic, il va bien. Je le remets en plastique. Comme ça, il ne s'abîme pas. Bon, celui-là, je ne vais pas le retirer. Il est noir. C'est un noir, celui-ci. Ah, celui-ci, par contre, le truc. Et les trucs sont argent. Non. Argent, oh, c'est or. Et alors, celui que j'aimais fort et que j'ai toujours pas utilisé. Franchement, celui-là, il faut. Et celui-ci, il est rose. Avec juste le petit cœur, là, il est trop beau. Et les pages sont grises, grisées, un peu reflet de toutes les couleurs. Là. Voilà. Aussi, j'aimerais bien l'utiliser, mais je sais pas encore quoi marquer dedans, du coup. Voilà. Mais j'adore mes petites. Ils sont trop beaux, ceux-ci. Si j'en retrouve, j'aurais dit que j'en reprenais. Parce que franchement, ils sont bien. Même. C'est con qu'on peut. Ils sont un peu. C'est mou. Ils sont vraiment agréables au toucher et pour écrire dedans. Et en plus, vous avez le bic là. Vous voyez. Ici, il a avec un peu de couleur de la tranche. Juste le bout et le truc pour le tenir. Et vous avez l'élastique. J'ai vu que l'autre. Il y en a un qui a l'élastique un peu. Et puis, il se présente devant comme ça. Et là, j'avais rien mis. Il faut que je mette. J'ai dit que j'allais faire une page de carte. Mais j'ai toujours pas fait. Voilà, plus de temps. Mais du coup, je vais écrire mes trois livres. Voilà. Et je sais pas après si je continue. Mon joli bouquin, je vous ai pas mis mon beau marque-page par contre. Hop, regardez mon beau marque-page. Bon, je sais que c'est plus le moment. Mais comme c'était. Un livre de Noël, je me dis, je vais mettre le marque-page un peu Noël, quoi. Voilà. Aussi, je vais couper ce PC qui est devant, enfin derrière vous. Voilà. Comme ça, ce sera fin. Vous allez plus avoir moins de lumière si je le coupe. Ça, c'est grâce à ça que j'ai la lumière, en fait. Arrêtez. 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 Dès maintenant, arrête-toi. Mais voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. Bah, mon après-midi, je l'ai passé à lire le beaucoup. J'ai joué un peu au Sim. Comme je vous ai dit, j'ai monté deux vidéos, mais ça je vous l'ai dit. J'ai mis une machine à laver. J'ai mis sécher ma couverture pour demain. Comme je dois changer mon lit. Parce que je dors avec une couverture un peu doudou. Mais plus longue pour mettre sur le lit. Comme ça, les chats... savent dormir avec moi. Voilà. Et ils n'abîment pas quand ils font leur petite poupoune là. Ma housse de couette. Voilà. Je ne sais plus quoi faire demain. On verra bien. Allez, lire demain. On va lire demain. Il y a aussi le Damon Petit que je dois terminer. Je dirais faire du Damon Petit. Il y a plein d'ifs là que j'ai envie de lire. Plein d'ifs. Combien de fois là, toi?
Il y a déjà ceux-là que je voudrais bien lire. Brick. Alors, les McCoy, que j'aimerais bien. Là, il y en a pas mal à côté de moi que je peux vous montrer. Ça vous fait. Ça fait de la pub. C'est quoi ça? Je fais de la pub pour mes livres. Il y a celui-là, mais je pense pas que je vais lire. Je pense que je vais le revendre. C'est un livre qui ne tombe pas. En plus, je l'ai abîmé. Je pense que celui-là, je vais le revendre. Je vais réfléchir demain. Mais je pense que il va passer. Du coup, j'ai le tome 2. Le Michael, j'ai le tome 2, mais c'est une bricasse celui-ci. Oui, 700. Il fait 700 pages celui-ci. Il y avait celui-ci que j'ai commencé. Hop, vous voyez, j'ai commencé. Mais j'ai pas fini. Un truc un peu enfant. Oh oui, celui-là, il faut que je le change de place. Celui-ci, pourtant, c'est un petit. Il devrait passer plus vite. Il y a même pas assez quand même. Il y a 270 des pages. Je vais changer de place. Dans mes hop et alors il y a le chat fait le chat va faire celui-ci est trop beau aussi que j'ai toujours pas lu non plus de Julie Topina au piment voilà les piments j'aime bien les piments ils ont de belles découvertes après je vous ai dit les McCoy on va mettre les McCoy ensemble. Le tome 1 et le tome 2. J'ai pas le tome 3 par contre. Je crois que c'est tome 3. C'est aussi il a morflé. Ils sont près de mon bureau du coup. Enfin, et là j'ai le tome 1 et 2 en. Et puis je crois que vous avez bougé un petit peu là, non? Oups. Et mon beuple Stitch. Que je mets tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'il est lavé, je le mets. Ici, il n'est pas lavé. Enfin, je l'avais mis. Il devait pas sortir à la machine. Et je dis, oh, tant pis. On est dimanche, je vais le mettre. J'ai trop froid. J'avais froid tantôt, du coup, je l'ai mis. Voilà. Et il ira à la machine tantôt. Hein. Voilà. Ça, il faut que j'aille mettre par là. Bon, ça fait 15 minutes que je. Enfin, je crois qu'il y a 5 minutes que je vous parle là pour rien du tout. Du coup, je vais vous laisser. Et on se retrouvera demain. Et je vous raconterai ce que j'ai fait. Se retrouve demain matin. Enfin, demain matin. Peut-être pas du matin, peut-être après-midi, je pense. Je sais pas, on verra. Allez, je vais vous laisser. Bye bye. À demain. Bonjour, petit Lucien. J'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est lundi 25. Il est 10h. Zoé! 10h36 exactement, c'est ça 36? Oui, 35, là j'ai 36, mais c'est pas grave. Voilà, je voulais vous refaire un coucou. On est lundi. Hier, je crois que je vous avais repris au soir. Est-ce que je les avais repris? Je ne sais plus. Je suis arrêtée à la page 139. Oui, je crois que je vous les ai dit. Je n'ai pas repris hier soir dans mon. Petit live, voilà. J'ai pas repris un jour en décembre. J'ai pas continué hier soir. Je vous ai repris à 9h30, je crois, un truc comme ça hier. Mais après, ce que j'ai fait, ah ben, je vous ai parlé. Bah, c'est tout. Et après, ben, j'ai mis mon pyjama. Enfin, j'ai fait ce que j'avais à faire, mis mon pyjama. Et j'étais au lit et j'ai regardé. Quelques vidéos et j'ai pas je n'ai plus lu en fait et un petit peu vers 10h 10h30 je coupais la lumière et tout ça monsieur allait travailler du coup il va se coucher plus tôt oh. Je suis encore fatiguée souvent nous vers 10h 10h30 on va on est des couches tôt, enfin soit c'est notre habitude d'aller coucher vers 10h comme ça on dort bien et lui il est quand même levé pour 5h30 6h parce que lui il a rien à faire à part cette tartine le matin et un peu se rafraîchir quoi il s'occupe pas tout ce qui est animaux il s'occupe de lui et c'est moi qui m'en occupe quand je me lève du coup voilà ça va vite. Il va vite, il s'apprête et il se barre.
Et voilà. Bon, t'as fini? J'avais envie d'aller à pied rechercher mon dernier colis Vinted, mais j'ai pas. Ah ouais, je l'ai pas encore essayé. Je vais essayer, après je vous montrerai. J'ai récupéré deux choses que vous allez voir après. Je vais défaire mon lit et je vais le mettre. Comme ça, je vous montrerai après. Ouais, voilà. Aujourd'hui, ça va être une journée tranquillou. Là, j'ai épluché mes patates pour ce soir. C'est déjà tôt, mais tant pis. Je les ai épluchées, lavées et remis dans l'eau, dans ma casserole. J'ai sorti ma viande. J'ai le petit monstre qui est dehors que je vais aller ouvrir la porte après de vous avoir parlé. Là, je vais changer mon lit. Je vais changer mon lit. C'est déjà ça. Et après, j'aimerais bien jouer aux Sims. Et ce soir, quand monsieur sera rentré, il rentre. Bon, aujourd'hui, il va rentrer plus tard parce que il ira chercher ma manne et mon colis. Il va m'engueuler. Voilà. Mais je me suis. J'ai trouvé une petite écharpe avec plein de petites clochettes dessus. Il me la fallait. Je l'avais commandée déjà depuis un moment. J'avais commandé cette écharpe. Elle a été en rep... Non, elle était annulée. Ma commande était annulée. Ça fait perpète, hein, ça fait un moment. Et ici, je l'ai trouvée pour Vinted. Ah, ça fait un moment que je l'ai commandée. Du coup, je l'ai commandée. Voilà. Et ben, je vais essayer de ça. Je vais essayer ça et je vous montre tout de suite. Je me suis trouvé aussi un petit pyjama. Comment on dit? Faut que j'essaye. Je reviens tout de suite avec ça. Je vous montre ce que je voulais vous dire. Mon beau petit. Comment ça s'appelle? Combinaison avec des petits stitches. Oh, il est agréable. Il est agréable. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et il va jusqu'au pied. Hop, j'essaie de vous montrer. Hop, ma jambe. Hop. Voilà, toute la combinaison. Oh, je suis contente de ma combinaison. Elle est trop, trop, trop belle. Regardez mes petits stitches. Il est trop beau. Et on a un joli petit pompon. Là, voilà. J'aurais bien chaud cet hiver. Voilà. J'ai plus qu'à le retirer maintenant. Je voulais vous laisser. Enfin, je voulais essayer. Je l'ai eu vendredi. Je n'avais pas eu le crédit de l'essayer. Et du week-end, j'ai plus pensé à ça parce que j'avais d'autres choses. Voilà. Des petits stitches. Comme ça, vous aurez vu ma combinaison de stitch. Voilà. Ah, mon trépied a bougé. Bon, allez, je vous laisse. Je vous reprends plus tard pour vous montrer mon beau lit que je vais faire maintenant. Et devinez, est-ce que vous avez un indice sur ce que je vais faire, sur ce personnage que vous allez avoir dessus? Dites-moi en commentaire avant de voir la suite. Allez, on se retrouve tout de suite. Je vais d'abord défaire mon lit. Est-ce que vous avez trouvé qui est dans mon lit? Je crois que là, vous avez un gros indice. Mon lit à fait. Oh, mais qu'il est beau! Regardez tout ça. Et je vais vous montrer l'intérieur de la couette. Mais les détails, regardez les stitches tout plein. Qui va faire des beaux rêves de stitch? Bon, les coussins ne sont pas appropriés, mais on s'en fout. On les cache. Voilà, comme ça, vous avez les coussins au-dessus, là. Par contre, c'est en longueur, je ne pensais pas. Du coup, le coussin, il rentre pas trop bien dedans. J'ai pas des coussins en longueur, c'est des coussins carrés. Mais franchement, il est top, top, top. Merci beaucoup à la madame qui me l'a vendu. Bonjour ma petite sœur, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, on est jeudi 28 janvier. Déjà,
Le 28 janvier, ça va trop vite. Et je venais vous reprendre dans ce vlog. Je vais faire le montage tantôt quand je vais rentrer du médecin. Je voulais vous parler de ma lecture qui est toujours en cours. J'avance bien. Je suis juste là. Il me reste ce côté-ci à lire. Voilà. Je suis à la page 250, 250, 247. Voilà, sur 530 et des. Je ne sais plus combien, 37 je crois, un truc comme ça. Ouais, 37. Voilà. Du coup, je suis quand même au trois quarts. Au trois quarts. Pas encore au mieux, mais bientôt. Du coup, voilà. J'adore, j'aime bien l'histoire de ce petit livre. Vous savez, on suit, je ne sais jamais leur nom, Laurie, Jack et Sarah. Mais on va suivre d'abord, c'est Laurie qu'on va suivre à la base. Et la meilleure amie de Laurie, c'est Sarah. Et le petit garçon, enfin le garçon qu'elle a flashé dans le bus. C'est Jack. Et ici, j'ai lu, en fait, il s'est passé un truc, enfin, pas Sarah, Laurie et Jack. Il y a eu un petit rapprochement. Après, ils se sont plus vus pendant quelques temps. Je ne sais plus combien de temps. C'est pour ça que je ne vais pas dire le temps. Et ici, ils se retrouvent pour les fêtes de Noël. Et enfin, il se retrouve pour les fêtes de Noël et c'est Sarah qui a retrouvé un nouveau copain, je ne sais plus son nom, c'est un nom assez compliqué lui, et qu'elle invite Sarah et Jack. Sarah est arrivée au rendez-vous, enfin chez Laurie pour le dîner de fin d'année. C'est Noël ou fin d'année, je ne sais plus, enfin, soit. Et Jack est en retard et Sarah pète un plomb. Pourquoi il n'est pas là, nanana, tout bazar. Et à un moment, il y a son GSM qui sonne et c'est Jack qui sonne. Et ne veut pas répondre parce que il est en retard, il devrait pas et tout des blabla, quoi. Et on lui laisse un message vocal. Et quand elle écoute le message vocal, en fait, Jack vient d'avoir un accident. Et du coup, là, elle panique. Tout le monde panique. Ils vont jusqu'à l'hôpital. Enfin, la personne qui l'a sonné attend l'ambulance. Et du coup, ils vont à l'hôpital retrouver Jack. Et il a eu une commotion cérébrale, des fractures et tout le bazar. Et du coup, on attend les résultats et il faut que j'avance. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent pas avoir du résumé, là, c'est vraiment un gros résumé, quoi. Franchement, j'aime bien. Ça se lit assez vite. J'ai lu ça hier soir. Parce que je ne l'ai pas lu beaucoup hier en journée. Parce que je vous ai dit, hein, j'ai fait ma garde-robe qui est juste derrière moi, là. J'ai fait du rangement. Aujourd'hui, bon, je laisse tomber maintenant. Là, maintenant, j'ai rendez-vous dans 1 heure chez mon médecin pour mon genou. Après, je ne sais pas parce que aujourd'hui, c'est un temps de caca boudin. C'est parce que vous avez la lumière. Et encore, celle-ci, je ne l'ai pas allumée. Ah, maintenant, ça va pas. Parce que j'ai allumé ma petite lumière pour avoir plus de lumière, ce qui fait noir comme une chatte à bascule. Oh, c'est le véto ça. Parce qu'il est que 8h 8h50. Voilà, je suis fatiguée, je suis levée depuis 7h. J'ai de la flemme. Parce que je viens aussi de mettre tous mes rushs sur le PC. Comme ça, tantôt, je vais pouvoir monter ce vlog, voir où j'en suis. Je vous reviendrai vous reparler juste après enfin, d'aller au médecin, comme ça je vous dirai ce qu'il pense de mon genou, comme ça je vous tiendrai au courant. Voilà, aujourd'hui, ben, j'ai rien de prévu. J'avais envie de me taper aller en ville, mais il ploue, il ploue, il ploue, il ploue, prendre le
bus, enfin le ouais, bus métro, marcher un petit peu, voilà, ça me, je suis pas motivée. Enfin, soit, voilà, je verrai bien si je suis motivée ou pas tantôt. On va voir ce que le médecin va me dire déjà. Doucement, il faut que je finisse du rangement. Surtout mon fauteuil, parce que demain, je ne suis pas là du matin. Du coup, je ne sais pas vous prendre. C'est pour ça que j'aurais bien voulu monter ce vlog ce soir. Je pense vers 5-6 heures, je vais monter ce vlog. Et avant de manger. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, comme ça je pourrais vous le monter et l'insérer sur YouTube pour samedi. Voilà, et comme ça je pourrais rouvrir un nouveau vlog pour la semaine prochaine. J'espère d'avancer dans ma lecture aussi pour vous donner un peu plus. Qu'est-ce que j'allais à dire d'autre? Bah voilà. Maintenant, croisez les doigts pour moi que j'ai qui va trouver une petite solution pour mon genou. Voilà. Après, je ne sais pas quoi faire d'autre. Ma viande est sortie. J'ai sorti du cordon bleu. Je vais faire ça avec des patates et j'hésite si je fais des haricots avec. Voilà. Parce que. Ah oui, mais merde, ce soir j'ai cours. Ah, il faut que je vous fasse ça. Il faut que je vous fasse le montage avant 5 heures. Oh là 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 là. Faut que je fasse le montage avant 5 heures. Faut que je le fasse vers 4-5 heures. Enfin, vers 4. Oh. Faut que je me regarde. Je verrai, c'est bien. Je reprendrai tantôt quand je reviendrai du médecin. Vous reprendrez. Je vous ferai le blablabla. Et je ferai le montage juste après. Peut-être que je crois que c'est ce que je ferai. Et si j'ai encore du blabla à vous dire, j'ouvrirai un nouveau vlog pour la semaine prochaine. Oui, je pense que je vais faire comme ça. Ce sera beaucoup mieux. Qu'on a plein de choses à faire. J'avais envie de vous prendre. J'ai envie. Je sais pas. J'ai essayé de le clôturer là maintenant. Et c'est comme ça. Si j'allais en ville, j'aurais ouvert le nouveau vlog pour la semaine prochaine. Parce qu'ici, je crois que vous avez déjà. Une partie de mes achats pour pas que ce soit trop quand même un peu de contenu pour tout quoi. Je crois que je vous ai parlé tout est là, il faudrait que je regarde. Diamond painting, blablabla. Faut que je regarde, il faut que je monte ça. Je sais que je vous ai montré mes draps, ma combinaison et après il faut que je regarde. Voilà quoi. Je pourrais peut-être déjà commencer à le monter. C'est mon PC que vous entendez. Hein. Je sais pas. Bon, je vais vous laisser. J'ai rien d'autre à vous dire. Hier soir, j'ai rien à part lu et discuté avec des amis. C'est tout ce que j'ai fait hier soir. Là, j'étais en train de regarder les sorties de février qui m'intéressent. Parce que moi, j'aime bien chez Go, mais en poche. Du coup, j'attends toujours un petit peu. Il y a Love and Lingerie. Et le nouveau qui vient de sortir, je ne sais plus comment, Gretchen Wolf, que je viens de me procurer en e-book. Du coup, je me dis pourquoi pas essayer de le lire en e-book. Mais voilà, ou me le procurer en même temps en livre et lire l'e-book qu'il lit tant que je ne suis pas chez moi. Vous voyez quoi? Voilà quoi. Bon, mais je vais vous laisser. Je vais commencer le montage. J'ai déjà inséré le premier fichier. J'ai ouvert le programme. J'ai déjà mis mes deux fichiers qui va vite au début et à la fin. Et maintenant, je vais regarder mes rushs pour les mettre un. Enfin, je vais regarder, mettre 1, 2, 3, 4 pour moi savoir comment les mettre au fur et à mesure. Voir ce que je dois couper ou pas et voilà. Bon allez, je vous laisse et je vous reprends tantôt. Bisous bisous bisous. Je vous reprends toujours dans ce vlog. On est toujours jeudi le 28 et je vous reprends juste après mon rendez-vous chez le médecin pour vous en parler comme je vous ai promis.
Ben, en fait, j'aurai quelque chose au ministre. Voilà, je dois faire d'autres. D'autres. Je sais plus. Logiquement, je devrais faire un scanner du genou. Et. Mais je dois aller voir un spécialiste du genou. Enfin, je dois prendre rendez-vous, que c'est toujours pas fait, hein, mais je vais faire ça. J'ai 10 jours d'anti-inflammatoire. Voilà. Et. Ouais, voilà. Et tout ce qu'il m'a dit. J'ai ma prise. Je dois faire une prise de sang mardi. Mardi 2, je crois qu'on sera. À 9h. Je crois que ce sera mardi 2. Oui, c'est ça. Ce sera mardi 2. Je vais faire une prise de sang complète parce que depuis 2015, j'ai plus fait de. Oh, pardon. J'ai en train de boire un coup et ça me fait rôtir. J'ai pris. Depuis 2015, j'ai plus pris de. J'ai plus fait de prise de sang. Du coup, on va en faire une. Comme il en faudra pour mon examen du genou, bah, ce sera le top. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Ouais, rien, j'ai toujours pas lu. Là, je n'ai plus d'internet. Du coup, je vais relancer le routeur pour voir si ça prend. Et voir si ça reprend ou pas pour continuer à finir monter ce vlog. Vous avez vu, hein, il va faire moins de 50 minutes, je pense, ce vlog. Ça va. Si je parle pas trop encore. Voilà. Et ici, ben, si j'ai internet qui ne prend pas, ben, j'irai lire. Parce que ma vaisselle est faite, ma viande est sortie, j'ai qu'à plucher mes pommes de terre pour moi manger avant 5 heures. Il faut que j'aille à internet avant parce que ma prof va certainement m'envoyer mes feuilles pour que je les imprime. Voilà. J'avais envie d'aller en ville, mais je pense que je ferai la semaine prochaine. J'ai regardé, avant de partir, j'ai regardé pour, bon, j'ai détaché, pour les livres que j'aurais bien voulu. Je voulais En poche de chez Hugo Roman, c'est Love and Lingerie qui est à 7,60, il doit être à 80 au magasin, parce que ici j'ai regardé sur Amazon. Et alors le nouveau qui vient de sortir de Colleen Hoover, qui est Relative Love à 17 euros. Et alors il y a Eternita, je sais plus pourquoi j'ai écrit, qui va sortir aussi. Voilà, et en mars il y en a un qui sort en poche, du coup il me plairait bien aussi de me le procurer. C'est pas né sous la même étoile. C'est un livre qui me plairait bien à lire. Parce que franchement, c'est des livres à 6-7 euros. Ça vaut le coup. Au prix d'un grand, quoi. Moi, je préfère. Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Bah, vous savez, comme ça, vous savez pour mon genou. Ben là. Je vais regrouper ma box, boire un coup. Et voilà. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve peut-être après. Hello! J'espère que vous allez toujours bien dans ce vlog. Je viens pour le conclure ce vlog pour vous le mettre demain. On est vendredi 19 janvier. Et du coup, je voulais venir fermer ce vlog. D'abord, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai lu hier. Je suis toujours dans ma lecture un jour en décembre. J'espère de le terminer bientôt. Il me reste ceci. Je suis à 291 pages de lu. C'est super, je suis contente. J'aime toujours bien. Et j'ai lu, je ne sais plus quoi. La vraie histoire du Père Noël un peu tantôt sur ma Kindle. Alors, vous voyez pas l'image, mais c'est pas grave. C'est mon texte qui n'est pas fini. Je suis à 48% de cette histoire.
C'est une chouette histoire aussi, mais on trouve plus le livre. Du coup, je l'avais pris sur ma Kindle. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est l'histoire de Nicolas et c'est un jeune garçon qui vient de perdre sa famille. Du coup, il y a un village qui va le prendre en charge pendant plusieurs années. En fait, il va aller de famille en famille tous les ans, va changer de famille. Et ici, il se retrouve dans une. C'est un monsieur, je ne sais plus son nom, qui l'accueille. Et c'est un peu spécial. Il vient d'avoir 18 ans, si je ne me trompe pas. Et il veut prendre son dépendance. Et du coup, il s'en va. Et maintenant, il faut que je continue pour savoir la suite. Voilà. Et tout ce que je vous ai à vous raconter. J'étais me prenais, je voulais faire des. Je voulais filmer un petit peu. J'ai été chez Molière et chez Club. Mais il y avait tellement de monde que j'ai pas sorti mon téléphone pour filmer un petit peu. Du coup, voilà. Mais ça, je vous montrerai dans le prochain vlog que je vais ouvrir. Peut-être demain matin. Demain matin, je suis toute seule, monsieur travaille. Du coup, je l'ouvre demain matin. Et si je voulais conclure celui-ci pour vous l'insérer, enfin, vous mettre pour demain. Ici, j'étais en train de mettre les deux. Enfin, j'ai mis les dernières vidéos. Enfin, trucs que j'ai fait. On est à 48 minutes et 39 secondes, plus les quelques minutes que je vous aurai ici, que je vous insérerai avec. Voilà, il va faire moins de 50 minutes, quoi. Enfin, un peu plus de 50, mais il fera moins de 60 minutes. Enfin, si je dis pas 10 minutes. Voilà. Moi, aujourd'hui, bah, j'ai pas fait grand-chose. Ah, si, enfin, j'étais donné un petit coup de main à ma tantine. Puis, j'étais, jeudi, j'étais en ville. J'étais voir ACA, j'allais dire. J'ai été voir un petit peu ce qui se passait chez Molière. Mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Un prochain vlog. Ou dans une vidéo, je sais pas. Je sais pas si je le mets dans le vlog ou je le mets en vidéo. Dites-moi en commentaire si vous préférez dans le vlog ou dans une prochaine vidéo d'achat. Je peux peut-être les montrer tous les deux. Et tant pis pour vous, pour ceux qui l'ont vu les deux. Le vlog et la vidéo de mes achats. Enfin, je sais pas. Je verrai bien. Voilà. Il faut que je finisse de monter ça. Que je monte aussi la vidéo de le petit colis qui est tout nouveau aussi que j'ai reçu. Ça, il faut que je vous le mette aussi pour la semaine prochaine. Il faut que je le monte. Je penserai faire ça demain, monter le petit colis pour vous l'insérer lundi ou mercredi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous monter? Puis il y a des cartes Pokémon que j'ai fait avec monsieur de la semaine. Moi, je crois que c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser là parce qu'en plus on est vendredi, il est 5h18. Tant que je monte et que je upload sur YouTube, ça va me faire un petit temps. Demain, en plus, logiquement, après-midi, je n'aurai pas de PC. Enfin, je n'aurai pas de PC sur, je sais pas, 1 heure ou 2. Du coup, voilà, du coup, il faut que je l'insère aujourd'hui. Au plus vite. Voilà, c'est pour ça que je viens conclure ce vlog. J'espère que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Venez me rejoindre sur Instagram. J'essaie de d'être présent un peu plus. Parfois pas trop, comme aujourd'hui, je suis pas même pas vlogué beaucoup. J'ai pas. Enfin, j'ai été. Je vais vous le dire, comme ça vous le savez. J'étais vite en ville et quand je suis revenue en métro, enfin, ma tante m'a déposée en ville. Comme ça, j'avais pas besoin de prendre le métro. Et quand je suis revenue en métro, je me suis sentie vraiment pas mal. Pas bien, mal à l'estomac. Mais je viens de prendre mon premier cachet antidouleur.
Ben, j'ai un cachet pour protéger l'estomac et j'ai mon antidouleur que je devais prendre après. Et je sais pas si c'est ça, mais aujourd'hui je suis patraque estomac. Je suis pas l'estomac est patraque. Voilà, du coup, voilà. Et oh, excusez-moi. J'ai voulu me reposer, mais pas moyen. On m'a appelé en webcam. Voilà. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve dans le prochain vlog qui sera pour samedi prochain. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.